salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Silent Hill 2 évidemment. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Mettez-vous dans une position adéquate, un petit truc à boire et à manger, tu connais. Et on est parti, on va fouiller tout cet étage totalement atroce. Et effectivement, cette résidence est dingue. À quel point ils l'ont agrandi. On commence déjà à en avoir plein les babines. Ah oui, là on avait dit qu'il n'y avait rien, je crois. Ok, bon allez. On se focus. Ça peut partir en couille à tout moment. Ok, allez, on pénètre. Chaud, ça on boit, c'est la récompense. On n'a rien pour l'instant. Désolé, j'étais en train de modifier un tout petit peu l'amplitude de ma voix. Il y a encore une radio là qui s'effrite. Aussi. Elle est beaucoup trop forte. On dirait qu'elle a deux fois plus de jambes que nous. On commence à prendre notre petit. Oh waouh. Ok. J'ai rechargé, hein, rassurez-moi, j'ai rechargé. On commence à prendre notre part. Ça fait plaisir. J'aime prendre ma part. Pas allumer le générateur et... Ok. Je crois qu'on a été récompensé à explorer un petit peu par ici. Une note. Je sais qu'il y a quelque chose ici, je le sens. Tout semble normal, mais c'est faux. C'est dessous, ça bat, ça tente de sortir. Est-ce que ça tente de sortir ou dois-je rentrer? Je dois le découvrir. Faire émerger ça à la surface. Retirer couche après couche pour voir. Je sais que c'est là. Retirer couche après couche. J'ai peut-être ma petite idée de ce que veut dire ce message. Je vous dirai plus un peu plus tard. Ok. Alors. Oh là là, mais on fait toutes les pièces du 300, mais c'est terrifiant. Oh, j'ai plus de seringue. Quelle erreur je viens de faire, peut-être. Peut-être le move de trop de la part du joueur franco-taille. Ah ah ah. Putain, mais c'est des gens qui font si mal. Encore? C'est pas possible. Hop. Trois balles dans les cuisses. Quelle saloperie. Reste à terre. Les gars,
Là, on peut rien bouger, là, genre. Oh, putain de merde, on peut passer par ici. Ok, on a quoi? Oh, je prends. Après, le problème, c'est que ce qui m'embête, c'est dès que je vois le petit écran rouge, tu sais, ça me fait chier, j'ai l'impression que je vais mourir. Et en plus, ça pollue un peu l'écran. Alors que pas du tout, hein. Ok. Oh. Alors, j'avais tort. Mais je n'avais pas tout à fait raison. Pardon. Je dois retirer davantage, plus près du sang. Je regardais à l'extérieur, mais c'est en moi. Il y a quelqu'un en moi. Si c'est en moi, alors... on va où, là, comme ça? Putain, mais c'est infernal. C'est dans le truc d'ordure, là, non? Attends. Quoi? Ah, d'accord. Très bien. Ça va faire tomber... ok, superbe. Ok. C'est donc au milieu de la cour. Bon. Ça, c'est récupéré. Je me suis chié dessus. Oh, ça, je l'avais pas trouvé tout à l'heure. Ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut se barrer, on peut aller récupérer la toute dernière pièce qui est normalement dans la cour et je sais comment y accéder. C'est tout simplement par en bas, vous l'aurez compris. Bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en coulisses? Qu'est-ce qui se passe au poste de police? On va mettre ça ici. Ça sera très bien. Let's go! On continue. On a bientôt les trois pièces. J'hésite à boire. Allez, une petite boisson, les gars. Vraiment, c'est ça. Il dérange cet ATH de zinzin, là. C'est pas ça que je voulais faire, pardon. Là, on est en bas, ok. What? Il y a quelque chose en bas. Il y a un rond et une flèche, mais ça mène à rien. On est où, là, déjà? Ok. T'es bien en bas, hein? Non? C'est moi qui suis fou, c'est le monde de qui est fou? Déjà ça. Ok. Ça c'est fait, c'est la femme. Il y a un truc ici, bah les couilles. Ça c'est fait, ça je suis très content. Bonne chose de faite. Attendez, c'était totalement au premier. On y retourne. On avait checké déjà en bas et j'allais dire: ah putain, mais y'a rien, ah, tu vois, tu connais le gars. Mais non, c'était pas le premier. Non, alors attends. J'avais fait ça. Ensuite j'avais fait: ah mais en bas, y'a un raccourci. Débloquons-le. Qui est en face. Et donc, c'était là-bas. Ok. C'est bon, je m'y retrouve. Donc, on va aller dans un côté de la cour. Très néfaste pour ma santé mentale. Je suis pute. Voilà, c'était là. Bah oui, il y avait Eddie. Ok, Eddie, il dort là? Ok. Hein.
Anesthésie locale et générale. C'est pas passé, genre. La balle pour lui, c'est beaucoup. Hein. Il dégage. C'est jamais en trop. Oh non, non, comme par hasard. Ok. Et lui, je peux me le faire easy. Là, il n'y a rien. Ok, on va faire tout le tour. On part ici, mon coquelicot. La poussette. Là, là en bas, c'est une arène, les frères. Hein. Oh ok. Vas-y, on va dans l'arène. Hein. On rentre dans le cercle. Un, deux. Non mais ils sont plus forts que les jambes. Ils sont même plus forts que tout. Bon, dernière pièce, c'est fait. Le serpent. Ok, c'est plutôt pas trop mal. On a les trois pièces. Eh ben écoutez, let's go pour la suite. On va aller où? Ici. Hein? Bah. Ah, j'ai cru qu'on pouvait plus ouvrir. Oh, wouhou! On est revenu au rez-de-chaussée. Let's go! Ok. Une petite save s'impose, tu connais. Toi-même, tu sais. Putain, je sais pas où ça va mener, tout ça, mais c'est terrible. Allez, on va tout placer ici. Alors, je crois que la femme est... sous l'arbre et le serpent juste derrière, c'est ça? Ah non. Bah oui, faire pivoter. Oh waouh. Ah non, mais attends, mais tout se passe pas comme prévu. Ok. Ah mais tout se passe pas comme prévu. Alors attendez. Dans les 5 trous pleines place trois pièces qui brillent. En premier, sous l'arbre, s'assit la jeune fille. Derrière la jeune fille, le vent peut souffler. Une jolie fleur toute seule doit pousser. Ah, il n'y a pas de serpent. Il n'y a pas de serpent, donc c'est juste le serpent. Let's go. Et j'ai... j'ai que dalle? Encore? L'homme approche soudain, sa lame dévoilée, son visage s'effaçant derrière l'acier. Alors, loin de l'homme, la jeune fille s'enfuit vers la jolie fleur, loin de l'arbre aussi. L'homme approche soudain, sa lame dévoilée, son visage s'effaçant derrière l'acier, c'est Pyramid Head. Alors, loin de l'homme, la fille s'enfuit. J'ai compris. Mais ça a déverrouillé quoi, concrètement? Attendez, j'ai peur de mal sous-entendre la chose. On a déverrouillé quoi, là? C'est quoi le projet, là, de tout ça? Il y a un projet, au moins? C'est pas écrit comme check, ça m'embête. C'est pas écrit comme check, mais on peut pas prendre le truc au-dessus. Mais what the fuck? What the fuck, les amis? C'est David Lafarge. Il manque quelque chose. La fille s'évade, ok, mais je... Waouh. Attendez. Tout est fait.
La 201. Faut que j'aille en 201. C'est ça? 201, 202. Vide ordure bouchée. 201, 202. Je pense. Laissez-moi vous dire que le doute m'habite. Non, c'est pas en 200. Faut retourner près du grillage, je suppute, non? Alors là. Et là. Ok. Bon, c'est la robe de Marie, hein, vous l'aurez compris, que Marie portait, en tout cas, elle l'a déjà portée. Ok. Mais en fait, je comprends pas que ça ait rien enclenché d'intéressant, en fait. Il y a même pas eu de petit... Il y a eu un petit clic et ça a tourné, mais il y a rien eu de... d'a fortiori très intéressant, donc vide ordure, c'est fait. Mais il reste ça, mais... Meuble à pièces. C'est le seul truc qui reste, en fait, je comprends pas. Meuble à pièces. Oh, je me suis chié dessus, putain. Mais pourtant, il n'y a rien à faire. Je me demande si j'ai pas... Attendez, j'ai dû louper quelque chose. Ah putain, j'ai... L'énigme est pas finie. Je suis un trou de balle. L'homme approche soudain sa lame dévoilée. Donc l'homme approche sa lame dévoilée. Ok. Son visage s'effaçant derrière l'acier. Alors, loin de l'homme, la jeune fille s'enfuit vers la fleur, loin de l'arbre aussi. C'est pas vrai. Où poussait une fleur, le venin prospère, donc un serpent. En lieu de la jeune fille, il n'y a qu'une pierre, et sur sa tombe, l'homme demeure triste. Sa lame a manqué le venin du serpent. Et là, ça se rapproche. Parfait. Oh, waouh. La bête dont les crochets ont mordu la fille. Lui qui a échoué, elle qui perd la vie. La bête dont les crochets ont mordu la fille. Sur vous repose maintenant un triste effort. Qui doit-on blâmer ? Pour ce coup du sort. Waouh. Ah putain, je l'ai. Et fallait bien donc finir avec l'appartement... Fallait bien se finir avec l'appartement 201. Ok. Oh, j'ai eu trop peur. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ces conneries? Mais en fait, il y a 49 énigmes à la suite. C'est incroyable. Bon, c'était pas une galère. Mis à part qu'il fallait savoir qu'il fallait continuer cette énigme. Ok, on est parti direction la 201. La 201, j'ai l'impression qu'on est à l'école, frérot, à l'internat. Jamais été à l'internat de ma vie. Vous avez déjà été à l'internat de votre vie? Jamais. Il y en a, c'était une très bonne expérience. Il y en a d'autres, apparemment, c'était horrible. Bah, moi, je peux pas vous le dire. J'en ai aucune putain d'idée. Allez, c'est parti, 201. Enfin! Ah ouais, c'est la résidence de luxe, bébé. C'est du lox. Mon petit père. Je prends. Ah, on peut pas passer par ici. Oh, waouh. Ça, c'est l'entrée des enfers. Hein. Je vous le dis, c'est l'entrée vers les enfers. Ok.
intelligent. Ok. Bon, bah quoi faire dans ce genre de situation? Bah le suivre tout simplement. J'ai même pas eu le temps de voir ce petit bout de tissu qu'on apprécie énormément. Alors, je vais vous faire un petit récap. Ça a été à minima un tout petit peu censuré entre guillemets. C'est un abus sexuel hein, de la part de Pyramid Head sur ce truc en jambe. Voilà, hein, dans la cuisine, tu connais, je vais pas trop faire la scène. Mais enfin bref, c'est voilà, hein, vous l'aurez compris. C'est une scène assez mythique de ce Silent Hill 2. Et vous comprendrez tout évidemment, parce que tout a un sens. Hein, c'est pas juste faire une scène comme ça pour faire une scène comme ça. Je fouille une dernière fois, parce que là les gars, ça c'est, je reconnais, hein, je vous jure que ça c'est la porte des enfers. L'autre monde. Donc vous l'aurez compris, c'est la même résidence, mais version dégueulasse. Oh là là, ça y est, on y est les amis. On y est dans l'autre monde. Y a pas de sirène dans celui-là. Ah putain. Il me semblait que c'était aussi une sirène. Oh là là, va falloir se retrouver. Hein. Oh là là, le merdier. Donc c'est le même en version miroir, hein. C'est infernal. Hein. Il y a des coups de... Il y a des coups de lame qui ont été donnés. J'ai pas peur. Ok. Ça, on prend. Ouh. Ok. C'est que des murs, à chaque fois j'ai l'impression à des brèches. Oh waouh! Carte de la rez-de-chaussée. On est dans la résidence Blue Creek. C'est pas du tout la même. On m'a menti. Donc ici, il y a une attaque un peu suicide, c'est ça? Une sorte de baroud d'honneur de monstre. Là, ils sont encore plus hardcore. Hein. Je savais même pas que c'était possible de faire plus hardcore que ça. Ok. Appuyez sur R2 pour casser un mur, mais attendez. Mais... Ok. Bonsoir. Mais ils sont chez eux ici, hein.
J'ai l'impression d'avoir utilisé un peu trop de balles pour rien, si tu veux mon avis. L'ambiance est radicale ici, hein. Incroyablement radical. Ah, oh, je me suis chié dessus. Ah non, là c'est hardcore. Ils sont beaucoup plus résistants, mais wesh. Ah ouais. Oh non, là c'est... Oh, oh. Je me suis chié dessus. Là, ça a été dur. Ok. On a là-haut la vaisselle, c'est bien rangé, hein? Là aussi? Non, j'ai cru voir un petit point apparaître. Ok, il y a plusieurs issues quand même pour ce move. Là, on a quoi? Que dalle. Je comprends rien à leur plan, c'est on dirait un enfant qui raye les portes. Ce sont deux des papillons avec écrit M. C'est pas rassurant. Save. Oh oui. Merci. Merci, merci. Ok, là, y a rien. Là, on prend. Bon, bah, on va s'arrêter dans l'autre monde, les amis, hein. On va s'arrêter dans l'autre monde, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Scott. Deux trucs rayés avec un peu de plate ou de dentifrice, là. Qu'est-ce qu'on a là? Une horloge, très bien, on apprécie. J'ai pas les aiguilles. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là? Henry a peur de Scott. Il l'esquive et cherche à se cacher, ayant fui à l'ouest de l'autre côté. Mais voici qu'arrive Mildred, toute innocente. Scott est face contre terre, ignorant sa descente. Ok. Alors, ça va être l'énigme de l'horloge. Vous l'aurez compris. Ok. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.